Marc chapitre 12, à partir du verset 28. Pardon. Mark 12, 28, I should say. J'avais une Bible quelque part. Ma Bible, je laisse ma Bible là-bas. Ok. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda: quel est le premier de tous les commandements? Ensuite, Jésus répondit: voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Mm-hmm. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Mm-hmm. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mm-hmm. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le scribe lui dit: bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit: tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osa plus lui proposer des questions. Alléluia. Wow. One of the teachers of the law came and heard them debating. Noticing that Jesus had given them a good answer, he asked them: of all the commandments, which is the most important? The most important one, answered Jesus, is this: hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. The second is this: love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than this. Well said, teacher, the man replied. You're right in saying that God is one, and there is no other but him. To love him with all your heart, with all your understanding, with all your strength, and to love your neighbor as yourself is more important than all burnt offerings and sacrifices. When Jesus saw that he had answered wisely, he said to him, you're not far from the kingdom of God. And from then on, no one dared ask him any more questions. Okay. Ce matin, this morning, j'ouvre ma Bible pour méditer. I open my Bible to meditate. Et le Seigneur a commencé à m'enseigner sur ce passage. And the Lord started teaching me on this very scripture. J'aimerais juste partager avec vous ce que le Seigneur m'a enseigné ce matin. And I would like to share with you what the Lord has taught me this morning. Un scribe. A scribe. C'est-à-dire un homme de lettres. That was somebody that was educated. Un enseignant. A teacher. Un secrétaire. A secretary. Un docteur de la parole. A doctor of the law. Quelqu'un qui répondait, quelqu'un qui pouvait répondre aux questions très difficiles relatives à la religion juive. Someone that was able to answer all tough questions about the Jewish religion. Pose la question, Seigneur. Ask this question to the Lord. Quel est le plus grand de tous les commandements? Which is the greatest of all commandments? Suivez très bien. Please listen carefully. Au travers de ce partage, through this message, vous allez vous apercevoir à quel point you will see Satan est assis dans les assemblées. How much Satan has been established in many assemblies. À quel point beaucoup de ceux qui se disent chrétiens vont en enfer, en fait. How much so-called Christians go to hell on a daily basis. Ce scribe, this scribe, observait Jésus. Was observing the Lord. Il était comme un inspecteur, comme un spectateur, un téléspectateur. Il était tout ça. He was like a spectator. Il assistait aux questions-réponses, n'est-ce pas, du Seigneur avec d'autres religieux.
Hollywood watched the Lord interact with other religious people. Et il a vu que Jésus avait répondu correctement à toutes les questions qui lui étaient posées. And he noticed that the Lord would answer correctly every single question that would be asked of him. Et il s'approche de lui. And he draws closer to him. Et il lui pose une question. And asks him this question. Can you please take get rid of this chewing gum, please, young man? Écoutez bien. Please listen. Scribe. A comme racine, gramma. Comes from the root word gramma. C'est-à-dire lettre. Which means letter. Et les Grecs comme les Hébreux. The Greeks and the Hebrews. Et particulièrement les Hébreux. Especially the Hebrews. Accordaient beaucoup d'importance aux lettres. Gave a great meaning to letters. D'accord? Beaucoup d'importance. They would stress et letters. Cet homme, this il regarde Jésus. Would watch the Lord Jesus. Et il s'aperçoit que Jésus était correctement enseigné. And he noticed that he was well taught. Jésus-Christ, cet homme. The man Jesus Christ. Et lui dit alors, mais quel est le plus grand de tous les commandements? So he asked him, which one is the greatest of all commandments? Ce scribe avait déjà la réponse. This scribe had already known the answer to it. Éprouver Jésus. But he wanted to try the Lord. Écoutez bien, qui croit que Jésus est notre modèle? Who believes that the Lord is our model? Qui croit qu'il est le modèle le plus parfait? Who believes that is the most perfect model of God? Qu'il est le meilleur enseignant que vos bishops américains ici? That is the greatest of all the teachers. Que vos bishops, les Benihim, tous ces gens, les clercs, crèfle d'or, tous ces voleurs là, tout ça. Qui croit que Jésus est plus fort que tout ce monde? Greater than all those bishops, Benihim, crèfle d'or. Celui qui est chez vous là où vous étiez avant, c'est qui? Comment? L'autre voleur là, tout ça là, c'est qui? Who's that other thief? That's ah? Rod Parsley. Un autre voleur, tout ce monde là. Rod Parsley. D'accord? Amen. Amen. Dis à ton voisin, ce monsieur, il part. Tell your neighbor. Dis-lui tout, il dit tout. He tells it all. He tells it like it is. Et aussi ces voleurs pasteurs haïtiens africains, pareil. And all those thieves from Haiti or Africa. Qui ont transformé vos bâtiments d'église en boîte de nuit. Who have changed your church buildings avec du into zouk, nightclubs. Du zouk, tu compares avec la rumba, tout ça, tout ça. Playing zouk music. Vous voulez que je parle encore? Compare. Dis-lui, il va parler aujourd'hui. Dis-lui, dis à ton voisin, il n'a pas le choix. This man shall speak again. He has no choice but to speak. Ça va aller, dis à ton voisin, ça va aller. Tell your neighbor, it will be fine. Écoutez. Listen to this. Il dit, mais c'est quoi le plus grand de tout? C'est quel le plus grand de tous les commandements? C'est-à-dire littéralement le plus vieux, le plus important. He said, which is the most important of all commandments, meaning the oldest or the most important? Regardez Jésus. So listen to what Jesus said. Il n'a pas dit qu'il faut, n'est-ce pas, prier toute la nuit. He didn't say that you should pray all night long. Non, parce qu'il y a des gens qui prient toute la nuit et qui vont en enfer quand même malgré ça. Some people pray all night long, but they still end up in hell. Il n'a pas dit qu'il faut jeûner 21 jours de 21 jours de jeûne. He didn't say go on a 21-day fast. Il n'a pas dit qu'il faut apporter une offrande à un prophète pour être béni. He didn't say bring an offering to a prophet to be blessed. Non. No, that's not. Il n'a pas dit qu'il faut donner l'action de grâce à un bishop, à un prophète. Non. He didn't say bring you a thanksgiving offering to a prophet. Il n'a pas dit qu'il faut payer la dîme pour être béni. Non. He didn't say pay your tithe to be blessed. Quel est le plus grand de tous les commandements? Which is the greatest of all Il n'a pas dit qu'il faut être fidèle à l'église. He didn't say to be faithful to your church. Parce qu'on peut être fidèle à l'église locale et ne pas être infidèle par rapport à Dieu. Amen. You might be faithful to your local church and being faithful to God, but that matters. Si Dieu te dit, if the Lord tells you, prends 100 dollars, donne-le à ton père. Take $100 of your money and give it to your father. Et que toi tu le donnes à ton pasteur, tu pêches. And you take that money and you give it to your pastor. That's a sin in the eyes of God. Alléluia. Alléluia. Vous voulez que je parle? Should I continue? Alors c'est quoi le plus grand commandement? So which is the greatest of all commandments? Est-ce qu'il faut servir le pasteur? Should we serve the pastor? Est-ce qu'il faut être secrétaire du bishop? Non. Should we be the bishop's secretary? I don't think so. Et Jésus lui répond quoi? What did the Lord answer him? Qu'est-ce qu'il répond ici? Hein?
n'a pas d'abord dit ça. Aime le Seigneur ton Dieu de tout son cœur, de toute son âme. Hein? Seigneur ton Dieu. Il n'a pas d'abord dit ça. Vous voyez, les chrétiens, ils sautent. Il a d'abord commencé par renvoyer ce scribe à la loi de Moïse. C'est-à-dire qu'il a renvoyé aux Écritures. The Lord did not say to love the Lord. He first started by sending them back to the scriptures, to the law of Moses. Ce que beaucoup de gens ne font plus. That's what most people don't do anymore nowadays. Ils sont sortis des Écritures. They left the scriptures. Jésus commence par dire. Jesus started saying. Voici le premier de tous les commandements. Here's the most important of all commandments. Premier ici veut dire quoi? What does first mean in this context? Premier veut dire aussi le principal. It also means the principal. Ou encore le chef. Or the chief commandment. Wow! Vous savez, beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens essaient de faire plusieurs choses, mais ils ne font pas la chose la principale, la plus importante pour Dieu. You know, many Christians try to do many things, but they fall short as they don't do what's the most important in the eyes of God. Marthe était agitée pour beaucoup, agitée. Elle voulait tellement servir Dieu, et le Seigneur Jésus nous dira, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Une seule chose, pas deux, trois, quatre, cinq. Non. Martha fell into that trap as she was busy trying to do this or the other, and the Lord told her that one thing was important, and Alleluia. Mary chose that one. Une seule chose. One thing is important. Écoute. Here. Voici le premier de tous les commandements. Here's the first of all commandments. Selon les Hébreux, il y en avait 613. According to the Hebrews, there were 613 of them. Alors, comment se retrouver avec tous ces commandements? Il y en avait tellement. So how can one find his way within the 613 commandments? There were so many of them. Vous prenez un livre. Take a book, for example. Et dedans, il y a plusieurs commandements. Vous vous dites, mais lequel je dois observer en priorité? So you look at all the commandments and you ask yourself, which one should I, you know, start obeying to first? Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur lui dit, d'abord, écoute. The Lord said, first, il dit, voici le premier commandement, écoute Israël. So here's the first commandment, hear, O Israel. Vous savez pourquoi il a commencé par là? Do you know why he started with that? Parce que beaucoup n'écoutent pas. Because many people don't hear anymore. Pourquoi il y a autant de problèmes dans nos églises? Why are there so many issues in our churches? Dans nos foyers. In our families. Dans nos pays. In our countries. Parce que les chrétiens ont perdu l'écoute. Because Christians don't hear anymore. Regardez. Please watch this. Viens, frère, s'il te plaît. Please come forward, brother. Parle. Talk to me. Parle seulement en créole. Dis ce que tu veux. Say whatever you want to say in Creole or whatever else. Just keep talking. C'est ma première fois. Moi, moi, bossant déjà. Et puis, toujours assisté sur télévision, sur internet. Alors, que moi content de ce que moi j'arrive. Ok, c'est bien. Qui a entendu ce frère parler? Who heard this brother talking? Qui l'a compris? Who understood him? Qui ne l'a pas compris? Who did not understand him? On est nombreux. Moi, le premier. Amen. Ok. Many of us. Donc, tu peux te rasseoir. Tu vas revenir tout à l'heure encore. Please be seated. I'll need your help again. On a tous entendu le frère parler. We all heard the brother talk. On a entendu un son. We heard a sound. On l'a pas compris. But we did not understand. Et si on l'a pas compris? And if we didn't understand it? On ne peut pas non plus obéir à tes ordres. We're not able to obey it. Reviens, frère. Please come back, brother. Donne-moi des ordres. Demande-moi de faire quelque chose en créole. Give me orders in Creole. Donne les ordres de quelque chose, balayer la maison, je ne sais pas, mettre la peinture, quelque chose. Ah non, avec autorité. Mop, sweep the floors. Manger un pile de riz. Qui a entendu? Who heard them? Qui a compris? Who understood it? Pas beaucoup. Qui n'a pas compris? Who didn't comment voulez-vous que j'obéisse au frère? How
do you expect me to obey to his si orders je ne le comprends pas. If I don't understand him? On est d'accord? Donc il a sorti la parole. He spoke the word. La parole, c'est ce qui est là-dedans. The word is what's in the Bible. On l'a entendu. We heard it. On la lit. We read it. Mais on la comprend pas. But we don't understand it. Comment voulez-vous qu'on obéisse? So how else do you expect us to obey? To obey that word. Alléluia. Alléluia. Et ce qui compte pour Dieu, c'est l'obéissance. And what matters to the Lord is obedience. Voyez le secret. See the secret here. C'est important. Écoutez bien. This is very important. Please listen carefully. Dieu God nous a créé avec, n'est-ce pas, un seul cœur. Created us with one heart. Il nous a créé avec des organes en double. He created us with organs. Each time they, a double organ. Deux oreilles. Qui a deux oreilles? Two ears. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous savez que si vous perdez, l'oreille droite ou gauche, une des oreilles, la sensibilité, tout ça, l'audition, vous allez être déséquilibré, même dans votre marche, démarche. But if you can't hear anymore, you're gonna lose your balance, even in the way you walk. Voyez, il nous a créé avec combien de bouches? How many mouths did he give us? Deux. Two. Combien? How many? Avec deux oreilles. One mouth, two ears. Donc avant de parler, before speaking, on doit d'abord entendre Dieu. We have to listen God first. Donc quand Dieu dit hear, écoute, when the Lord says hear, écoute Israël, hear O Israel, c'est premièrement entendre. It first means to hear. Ce qu'on appelle le Shema Israël, Shema. That's what they call the Shema. Shema, écoutez. D'accord? Hear, to hear. Donc, il faut d'abord entendre un son. The first step is to hear the sound. Deuxièmement. Second. Je dois. Understand. Understand. Parce que je ne comprends pas le langage. If I don't understand the language. Si je ne comprends pas le son qui sort. If I don't understand the sound that's coming si je ne comprends pas les écritures, if I do not understand the scriptures, je ne pourrai pas obéir. I will not be able to obey to them. Ou considérer. Or consider the scriptures. Voyez? Comment voulez-vous que Dieu bénisse les chrétiens s'ils ne lui obéissent pas? How do you expect God to bless Christians if they don't obey him? Le secret de la présence de Dieu. The secret of the presence of le God. Le secret du miracle de Dieu dans vos vies. The secret of the miracles of the Lord in your life. Le secret de la sanctification. The secret of holiness. C'est l'obéissance d'abord. Is obedience. Parce que tu ne peux pas être sanctifié si tu n'obéis pas. You cannot live in holiness unless you obey. Amen. Amen. Voyez, Dieu commence par l'obéissance, La vie chrétienne commence par l'obéissance. The Christian walk starts with obedience. Et c'est difficile d'obéir. And it's hard to obey. Parce que la chair est rebelle, la chair est contre Dieu. Because our flesh is rebellious to God. It's against Regardez, God. Nous sommes trop distraits. We are very distracted. We are in distraction. Vous savez le nombre de chaînes de télé que nous avons aujourd'hui? Do you see the number of câbles, satellites? Juste avec la télévision, il y a au moins plus de 1000 chaînes. Just on TV alone, over 1,000 channels. Vous avez vu le nombre d'applications que nous avons? Do you know the number of applications we have? Skype, WhatsApp, tout ça là. Il y en a tellement. Skype, Viber. Vous avez vu le? Regardez bien autour de vous. Look around you. Vous avez vu? On est occupé sur le téléphone. We're always on our phones. C'est-à-dire que nous sommes dans une génération où le temps devient tellement rare. Time en fait, is very rare. Le trésor le plus important, à part Dieu, à part la vie éternelle, à part la sanctification, tout ce qui est spirituel, tout ce que Dieu donne, c'est le temps. The greatest treasure after God and holiness is time. Nous sommes des êtres liés par le temps, confinés par le temps, coincés dans le temps. We're creatures that are bound in time. Regardez. Vous qui êtes en Amérique latine, en Amérique ici, du Nord, tout ça, il n'y a plus de temps. Même en Europe, il n'y a plus de temps. Yeah, those of you in America or us in Europe, just il n'y a plus de temps pour être avec sa femme, avec son mari, avec ses enfants, avec soi-même. Il n'y a plus de temps. Les gens,
No time to spend with your family, no time to spend with yourself. Maintenant, pour être à l'écoute, always busy. À l'écoute de Dieu. And there's no time ça devient difficile. To listen to the Lord either. Vous êtes? You see this. Regardez cette fourmi. Look at this ant. Vous avez vu cette fourmi qui marche là? Do you see her walking by? Elle va, elle revient, elle fait des va-et-vient, tout ça, portant parfois le double de, ce, de son poids. She goes back and forth, sometimes carrying weight. Mais elle va où? Elle va chercher la nourriture. Pour emmagasiner. Elle va chercher. And store it up. Et un jour, and one day, un gros pied passe par là. A big old foot just et l'écrase. Stops by and crashes it. La fourmi n'avait pas mesuré le temps. But unfortunately, that end did not account for the time. Et Dieu est assis and sur God son trône. Is sitting on his throne. Et vous savez comment nous fonctionnons? Reviens, frère. And here's how we operate. Non, Seigneur, donne-moi ça. Tu sais, Seigneur, tu sais. Non. Au revoir. So at all times we come to the Lord. Hi, Lord, give me this. Do this. Kill me. And the Lord look at us just stunned. J'imagine Dieu qui parle aux anges. Les anges, Gabriel, Michael, vous avez vu cet enfant-là? I can just imagine the Lord talking to the angels and saying, il n'a pas de temps. This child, he doesn't have any time. Il n'a pas de temps pour moi. He has no time for me. Dieu, God, je donne ma dîme. I pay my tithe. Tu me béniras. You will bless me. Au revoir. Bye. À la maison? At home? Il n'y a pas de temps pour Dieu. There's no time for God. Tu t'agites pourquoi? Why are you so agitated? Tu cherches quoi? What are you after? T'as pas réalisé que tu n'as plus 20 ans? Haven't you realized that you're no longer 20? Regarde le temps. Look at the time. Ah, j'ai mal au dos là. Oh, my back hurts. Ah. Oh my. Oh, ben, je n'ai plus 20 ans. Hein. I'm no longer 20 years old. I'm tired. Qu'est-ce qui lui arrive? What's wrong with him? Il vieillit. He's getting older. Mais plus vieillit, the more he gets older, moins il a le temps avec Dieu. The less time he has with the Lord. C'est pour cela que quand le scribe pose la question au Seigneur, quel est le plus grand de tous les commandements, le plus large, le plus important, le Seigneur a commencé par dire, écoute. So when the scribe asked the Lord, which is the most important, the greatest of all commandments, the Lord answered saying, alléluia. Hallelujah. Vous voulez que je parle? Should I continue? Qui veut être visité par Dieu? Who wants to be visited? Et le secret c'est quoi? From the Lord. La sanctification, oui, je suis d'accord. What's mais c'est l'écoute. Regarde. Comment veux-tu te sanctifier si tu n'écoutes pas Dieu? How do you expect to be? Tu vois, non? To sanctify yourself unless you hear God. Dieu dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. The Lord says that obedience is greater than sacrifices. Vos pasteurs vous disent le sacrifice vaut mieux que l'obéissance. But your pastors, on the other hand, tell you that sacrifices are better than obedience. Toi tu pries où, ma soeur? Je prie à l'église de la prophétie. What do you pray, sister? I pray, I go to the prophecy church. Le pasteur c'est qui? Il est baptiste. Who's the pastor? He's Baptist. Il parle bien. Oh, he speaks so well. Mm-hmm. C'est mon pasteur. He's my pastor. Seigneur sauve-moi. Lord, save us, please. Hallelujah! Hallelujah! Sois le bienvenu, mon frère. Welcome, brother. Dieu, sauve-nous. Save us, Lord. Regardez, vous avez vu que quelqu'un vient d'arriver, on n'écoute plus. Hein? Ouais, nous sommes comme ça, les humains. Et facilement, on sort. Hein? And we're distracted. We're not no longer here. Tiens, donc, c'est difficile d'écouter. It's hard to hear. Tell you never, it's hard to hear. Tu pries. You're praying. Tu médites ta parole. You're meditating. Chez your toi. And ton téléphone sonne. And the phone rings. Ah. Here you go. Allô? Starting to answer your rappelle-moi, phone. Je prie, s'il te plaît. Please call me back. I'm praying. Qui a déjà fait ça? Who's ever done that before? Dis à ton voisin, l'écoute. Tell your neighbor, here. À
Alléluia. Tu te prêtes à prier. You're getting ready to pray. Une pensée vient. Va à la cuisine, va prendre le chocolat qu'il y a dans le frigo là-bas. Mange-le tout de suite. Go to the kitchen, go grab the last chocolate piece that's in there. Go and eat it. There you go. Et Dieu dit, mais tu ne devrais pas jeûner aujourd'hui là. And the Lord says, when we're supposed to fast, too late. It's already in there. It's in your mouth. Alléluia. Alléluia. Qui se reconnaît là-dedans? Who can find themselves? Who is concerned by what I'm saying? Tu prends ta Bible pour la lire. You l'ouvres. You want to read it. You open it. And you fall asleep. You just. Quelque voisin l'écoute. Qui se reconnaît là-dedans? Who find themselves in there? Dis à ton voisin aujourd'hui Dieu nous opère. God is operating on us today. Alléluia. Dieu te réveille à 3h du matin. God wakes you up at 3 a.m. in the morning. Pour la prier. To pray. Il dit Seigneur je te bénis. Lord I bless you. Alléluia c'est qui? Falling asleep. Who has ever done that? L'écoute. Hearing. Nous, les humains, nous avons des gros problèmes avec les oreilles. Us human beings have huge problems with hearing, with our ears. Pourtant, ça fait 10 ans que vous êtes chrétien, 15 ans, 20 ans. Even though it's been 10 or 20 years that you're Christian, baptized. Tu prends la Sainte-Seine. Taking the Holy Spirit. Tu t'habilles en blanc pour prendre la Sainte-Seine en tant que religieux. We dress in white to go take the Holy Spirit. Tu as une grosse Bible, comme si avec la grosse Bible tu as au ciel. You have a huge old Bible, thinking that. Mais les oreilles sont bouchées. But your ears are clogged up. On acclame le Seigneur. C'est. On va déboucher un peu les oreilles. Au nom de Jésus. Alléluia. We will clog those ears in the name of Jesus. Seigneur, sauve-nous. Save us, Lord. Attends, on lui pose la question, c'est quoi le plus grand de commandement? Pourquoi il n'a pas dit tout de suite, aime Dieu? Il dit non, écoute Israël, parce qu'Israël n'écoutait pas. The question being asked to the Lord is, which is the most important of all the commandments? He could have entendre. Said, love the Lord, but écouter, he said, hear. Écouter, c'est entendre. To hear it means to, parce que Dieu parle. To listen, because God is qu'est-ce speaking. Qu'est-ce que Dieu dit aujourd'hui? What is the Lord saying today? C'est quoi le son divin actuellement dans le monde? What is the divine sound all over the earth today? Quel est le message qui sort du trône de Dieu actuellement pour les nations? What is the message coming out of the throne of God right now for the nations? Donne la dîme, tu seras béni. Non, ça c'est Moïse. That you shall be blessed? No. Viens à l'assemblée le dimanche. Non, ça c'est Moïse. Go to church every Sunday? That is the Moses. Non, c'est quoi le message? C'est quoi le son? What is the message? What c'est is quoi the le son du chauffard? Being given out. What is the sound of the shofar? Parce que Dieu sonne le chauffard. That is sounding the shofar. C'est quoi le message? What is the message? C'est quoi le son? What is the sound? Qu'est-ce que Dieu dit maintenant? What is the Lord saying today? Qu'est-ce que Dieu dit à ton cœur? What is the Lord saying to your heart? Quel est le message divin que ton esprit comprend? What is the divine message that your spirit is écoute, understanding? Écoute Israël. Hear, O Israel. Et Dieu dit aujourd'hui, écoute Église. And the Lord is saying today, hear, O Israel. Parce que l'Église n'écoute plus Dieu. Because the church belongs to God. L'Église écoute les pasteurs. The church hears pastors. L'Église écoute les bishops. The church hears bishops. L'Église écoute les gens qui prêchent la prospérité. The church hears people that are preaching the prosperity message. L'Église écoute les hommes plus les hommes que Dieu. The church hears people that preach men more écoute than écoute Israël. God. Hallelujah. Hear, O Israel. Écoute Israël. Hear, O Israel. Entends Dieu. Entends Dieu. Hear, listen et to God. Comprends son langage. And understand his language. Comprends son langage. Understand his language. Et obéis. And obey. Dieu parle à Jonas. God spoke to Jonas. Il entend la voix de Dieu. Jonah. And he heard the voice of God. Il le comprend. He understood it. Ce message-là, il a compris. He understood the message. Mais il a refusé d'obéir. But he refused to obey. Es-tu comme Jonas? Are you like Jonah? Et si tu meurs dans cet état, c'est l'enfer. If you die in that state, it's hell waiting for you. Oh Seigneur. Oh Lord. Alors, il a invité le scribe
à ouvrir encore son oreille. And he called the scribe to c'est ce que Moïse dit aux enfants d'Israël. His ears. Vous savez qui le premier a demandé à Israël d'écouter? C'est Jacob. Do you know who was the first one to ask Israel to listen? It was Jacob. Avant de mourir. Before he passed on. En Genèse 49, il rassemble ses enfants. In Genesis 49, he gathered his children and he told them. Écoutez Israël, fils de Jacob, écoutez votre père. Hear, O sons of Jacob, hear your father. Et Moïse reprend ce passage-là. And Moses says that dans again. Deutéronome 6:4. In Deuteronomy 6:4. Dieu donne cette loi à Moïse. God gave this law to Moses. Shema Israel. Shema Israel. Adonai Eloheinu Adonai Echad. Adonai Eloheinu Adonai Echad. Il n'a pas dit que Dieu est trois en un. He did not say that God is three. La Trinité, une doctrine démoniaque. The Holy Trinity, a demonic. Dieu est doctrine. God is one. Hallelujah. Hallelujah. Dieu est un. God is one. Dieu n'est pas trois en un. God is not three in one. C'est la sorcellerie. That is witchcraft. Ah oui, ça va vous choquer, oui, ça va choquer. This is going to shock you. Toi, t'es combien? T'es trois, toi? Are there three of you? T'as trois en toi qui s'opposent. Are there three people in you fighting against each other? Écoute. Here. Comment veux-tu aimer quelqu'un qui est trois en même temps? How do you expect to love somebody that is three all at once? Le Seigneur a dit, vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Those that you shall not on est d'accord ou pas? Masters. Pour nous, il y a combien de maîtres? For us, how many masters are there? Un seul maître. One alors master. Pourquoi on vous dit qu'il y a trois maîtres? So why do le you Père d'un côté, Dieu le Fils de l'autre, Dieu le Saint-Esprit là-bas. The Son, the Holy Spirit, on the other hand. Maintenant, on adore qui? Who shall we worship? Who are we in front of? Chacune de la personne de la Trinité doit recevoir sa dose. C'est compliqué ça. So every single one of them should receive their share of worship. This is too complicated for me. Alléluia! Alléluia! Qui parle ici? Jésus. Écoute, Église. Dieu est un. Dieu est un. Dis à ton voisin, Dieu est un. Tell your neighbor, God is one. Dis à ton voisin, il y a un seul Seigneur. Tell your neighbor, God is one. Dis, il y a un seul baptême. There's one baptism. Dis, il y a un seul Père. There's one Father. Il y a un seul Seigneur. There's one Lord. Jésus n'est plus votre berger. Do you know why you lack so much? Because vous avez tellement de bergers. Moi, je ne suis pas votre pasteur. I'm not your pastor. Je suis votre frère. I'm your brother. Je suis une brebis comme toi, un agneau comme toi. I'm a sheep just like you. Et un seul est berger. One is the. Jésus a single person is the master. Jésus dit dans Jean 10. The Lord says in John 10. Il y aura un seul troupeau. There will be one sheep. Et un seul berger. And one shepherd. Et nous, partout nous allons, nous présentons aux gens le berger des bergers. And wherever we go, we Jésus. We present to the people the ultimate shepherd. Ce que je, Jesus Christ. Ce que je vous dis, je l'expérimente. Brothers and sisters, everything that I'm preaching here, I live it. Il faut écouter ça. You have to listen mais, to it. Vous savez pourquoi beaucoup sont malades, spirituellement parlant? Why so many people are sick, spiritually speaking? Ici, là, ils écoutent trop de choses. Because they listen to so many different things. La foi vient de ce qu'on entend. Faith comes by hearing. Et ce qu'on entend de la parole. And hearing from the word of God. L'incrédulité vient aussi de ce qu'on entend. Le doute vient aussi de ce qu'on entend. Comes from what et ce qu'on entend vient des hommes. And what you hear or listen les to comes from men. Les médecins disent que toi t'es condamné, mais qui t'a dit ça? L'homme a parlé. Celui qui t'a créé, il a dit son dernier mot. The Lord has not said his last word yet. Samedi dernier, on avait une veillée de la jeunesse. Last Sunday, we had an all-night prayer meeting with the youth. Vers 4 heures et vers la fin de la veillée,
around 4 a.m. in the morning. Dieu me dit, regarde la jeune fille qui est là. The Lord said, look at this young lady over there. Je lui dis, ça va? I asked her, are you okay? Elle me dit, non, ça va pas. She said, no. Je leur dis, qu'est-ce qui se passe avec sa famille et ses amis? What's wrong? Ils me disent, elle est née muette et sourde. And they told me that she was deaf. Wow! Je dis, là, c'est un cas trop fort, difficile pour moi. And I told myself, this is too hard. Et c'était en direct. And this was à la télévision, je ne pouvais pas la zapper, c'était trop tard. I could not, you know, just pass her by. J'étais coincé. I was stuck with Donc, her. Obligé de continuer. So I had to go forward. Je dis, mais viens. So I said, come forward. Elle me dit, ses amis l'ont convaincue, elle s'est avancée. Je dis, oh, quand elle a fait ça, je dis, Seigneur, merci, elle ne veut pas venir. Tant mieux pour moi. Je veux pouvoir me justifier, dire aux gens, c'est pas de moi, c'est pas moi, c'est elle-même qui n'a pas voulu. Et quand je l'ai vu se lever, j'ai dit, Seigneur, c'est fini. Regarde ton voisin, ce frère-là, il est comme toi. Alléluia! Dis-lui, Jésus, sois le fort! Aïe, 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 aïe! Est-ce qu'on peut faire un bisou à Jésus de Nazareth? La jeune femme s'avance. So the young lady comes forward. Et j'entends une jeune fille qui dit, hein, je l'entends dire, si elle parle, c'est chaud. And I heard a young girl say, if this girl speaks, it's gonna be crazy. Elle dit, pause, et tu mets de l'huile sur le feu. And I told her, déjà moi je suis pas bien là, tu as encore rajouté là. Why you do have to add that to? Alors pour me rassurer, je devais parler un peu avec tout le monde. Hein, espérant que le temps allait passer. To make myself feel better, I just kept chit-chatting with everybody else. Mais la fille était là, elle me regardait. And the young girl was just sitting there. J'ai dit, Seigneur, looking at me. Tu sais que mes détracteurs, les gens qui veulent ma mort, qui m'insultent, qui me critiquent sur internet, sont tous connectés. So I told the Lord, all my detractors are just there. Dans mon cœur, je pleurais. In my heart, I was crying. Je disais, c'est fini pour moi ici. I'm like, I'm done, Lord. Oh Seigneur. Tu prêches que Jésus n'a pas changé. Là, les gens veulent voir Jésus qui n'a pas changé. Lord, I preach that you haven't changed, so people Jesus. Want to see that. Hallelujah. Hallelujah. Et là, je dis, Seigneur, là, c'est chaud. I said, Lord. Je lui ai posé la main, elle tombe sous l'onction. And I laid hands on her and she fell under the anointing. Je me suis dit, bon, je vais la laisser au sol et je vais partir. Ah non. So I told myself, now that she's on the floor, I'll just. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus dans mon cœur. So et je la regarde et dis, lève-toi. Elle n'a pas entendu comme elle n'entendait pas. Fini. Rise. Elle ouvre ses yeux et je dis, bah, lève-toi. She opened her eyes, elle se levait. And I told her to rise up. Et là, mais tout le monde te regarde. So le monde quand même. Everybody was just looking at me. Mes détracteurs disaient, il parle à ce monsieur, on va voir maintenant. So I'm sure that all my detractors were just watching. Satan, les démons, on va voir son Dieu. Frère, écoute Dieu plus que les hommes. Amen. We should hear the Lord more than we hear men. Je lui tends le micro, je dis, papa, mes amis, je n'ai jamais entendu quelqu'un prononcer papa avec une telle précision. And so I said, Father, Daddy, in the microphone. On a sauté de joie, on a crié comme de fous là-dedans. We all started jumping for joy and we were screaming like crazy people. Pendant que vous acclamez le Seigneur, je me suis éclipsé. As everybody was clapping for the Lord, I just ran for my life. Wow, Seigneur! Et avant cette jeune femme, il y a un autre jeune qui était venu. And before sourde her, de l'oreille droite à gauche. There was another guy that was dumb on his sourd de l'oreille gauche, délinquant. And he was a gangster. Armé. He had guns. Et il ne voulait pas de Jésus. Il voulait juste la guérison. He just wanted his healing. He wanted nothing to do with Jesus. Je lui dis, mais écoute, il faut que tu te convertisses d'abord. And I told them, you have to give your life to Christ first. Il dit, mais oui, mais je suis pas prêt. He said, yes, but I'm not ready yet. Tu veux la guérison? Oui. Do you want your healing? Yes. Mais tu veux pas celui qui guérit? Il dit, but you don't want the healer. I believe in him, but. Dieu me prie pour lui. Je touche son oreille. Pray for him. Tac. And I lay hands on his. Il a commencé à entendre. And he started hearing again. Il me dit, mais les douleurs sont encore là. But he said, you know, the pain is still Dieu there. Me les touche encore. The Lord said, touch him again. Il dit, y a plus de douleur. He said, what's going on now? He says, it's not hurting anymore. Dieu me dit que Satan veut le tuer par
par balle, par voilà. And the Lord told me that the devil wanted to kill him through gunshots. Il est parti dans sa cité. And he went back home the very night. Il y a eu une fusillade là-bas tout de suite. And there was a shooting match. They were shooting. Il est revenu à la veillée. And he came back témoigner. To the all-night prayer meeting to testify. Le lendemain, deux jours après lundi, day, or 2 days il est venu later, au bureau avec un de ses amis délinquants. He came to the office with one of his gangster friends. Il dit à tout le monde, est-ce que vous pouvez sortir du bureau? He told everybody to leave. Tout le monde sort. Everybody left. Il me dit, and he told me, je veux le baptême. I want to get baptized. Et son ami qui était venu avec lui. And his friend who came with him. Il veut me voir aussi. Came to me also. He says, I want to get baptized as well. Mes amis, Dieu n'a pas changé. God has not changed. Écoute, église. Hear, O church. Tout ce que les hommes t'ont dit, c'est bien. All the mais ce que Dieu te dit, c'est mieux. All that is fine, but what God is telling you is better. Wow. Hallelujah. Hallelujah. Jésus. Jesus. Je viens vous présenter Jésus. I've come to present je viens vous prêcher Jésus. Jesus to you. Je viens vous annoncer celui qui est, qui était et qui vient. The one who was, who is, and is to come. Je viens vous présenter l'amour de ma vie. I came to present the love of my life to you. Je ne veux pas parler d'argent. I do not want to talk about Jésus money. N'a pas besoin de ton argent. God does not need your money. Il n'a pas besoin He doesn't need your car. Il n'a pas besoin de ton avion jet privé. Il n'a pas besoin de tes vêtements. Jésus veut ton cœur. Alléluia. Alléluia. Wow. Une fois qu'on a bien entendu. Once we've heard. Une fois qu'on a bien compris. Once we've understood. Une fois qu'on a commencé à obéir. Once we start to à obéir qui? Who shall Dieu. We obey? Eh bien, qu'est-ce que Dieu dit? God. What does God say? Je suis Yahweh ton Dieu. I am Yahweh your God. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. You shall not have any other God before oh, my face. Je t'ai choisi. I know tu n'es plus seul. I have chosen mes yeux sont you. Sur toi. Vous avez vu cet amour là? Et là, on peut pleurer. Vous avez vu comment tout semble être fini pour toi. Et Dieu vient et dit, je suis là. Je te rassure. Je ne t'ai jamais abandonné. Je ne t'ai jamais délaissé. Je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai jamais. Et David a dit, quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un qui marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais la mort ne va pas t'atteindre pour l'instant parce que ta mission n'est pas finie. Dieu n'a pas fini avec toi. Alléluia. Oh, alléluia. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Satan avait prévu que nos sœurs meurent dans cet accident. Mais Dieu qui est la vie n'avait pas dit son dernier mot. Dieu a dit à la mort. Au matériel. You can touch everything, earthly things. Dieu voulait montrer à Satan que nos sœurs n'étaient pas attachées à la voiture. Un amoureux de Jésus est intouchable, frère et sœur. Alléluia. Que mille tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint parce que Dieu marche avec toi, parce que Dieu t'a choisi. Oh, gloire, c'est là. Il y a la nuée de Dieu sur ta vie là-bas. Oh, alléluia. Tu vois ça? You see this. Alléluia. Oh, alléluia. Il y a quelqu'un que Dieu détache, délie de ces liens familiaux là. Quelqu'un que Dieu délie ici là. Quelqu'un que Dieu délivre aujourd'hui là. Au nom de Jésus de Nazareth. La mort s'en va de ta vie, de ta famille. Au nom de Yeshua. Alléluia. La mort te quitte. La mort te quitte. Death leaves you. Des chaînes se brisent. Tu sais pourquoi? Parce que chains are being broken. Parce que Dieu t'aime.
Because the Lord loves you. The Lord has chosen you. Parce que Dieu t'a choisi. The Lord has chosen you. Il t'a tellement choisi que tu ne peux pas le fuir. He has so chosen you that you can't run away from him. Tu n'as pas le choix, tu es son prisonnier. Parce qu'il t'aime, tu es sa prisonnière. Tu es sa prisonnière. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Wow. Wow, Seigneur. Oh, alléluia. Oh, Seigneur, merci pour mon frère. Father, thank you for my brother. Au nom de Yeshua. In the name of Jesus. Jesus. Wow. Tu aimes ton prochain, tu vas le bénir. Même s'il te maudit, toi tu le bénis. If you love your neighbor, you will bless him. Il te persécute, mais tu pries pour lui. If he persecutes you, you will tu demandes him. À Dieu son bonheur. Alléluia. You ask the Lord wow. to bless him. En to priant make comme him ça, happy. And when you pray like that, personne ne peut te toucher. No one can touch you. En bénissant tes adversaires, personne ne peut te toucher. When you bless your adversaries like je t'assure. That, no one can ever touch you. Plus tu les bénis, plus tu dis à Dieu, the more you bless Dieu, him, the more you're telling c'est toi God qui le justifie. That it is you who justifies. Alléluia. Oh, il a béni ses ennemis sur la croix. Il a dit, Père, pardonne-leur, pardonne-leur. Pardonne à celui qui t'a blessé. Pardonne à cette femme, à cet homme. Pardonne aujourd'hui, ma soeur. Pardonne, mon frère. Dieu veut agir encore en profondeur. Libère le pardon. Libère le pardon dans ton cœur. Libère le pardon, femme de Dieu. Voici la délivrance maintenant. Amen à moi. La grâce du Seigneur pour elle. Libère le pardon, je on a fait de la sorcellerie contre toi. On a fait des crimes pour te tuer. On a libéré de malédictions contre toi, contre ta famille. Mais Dieu dit aujourd'hui, commence à bénir ces personnes. Commence à libérer le pardon. Tu verras ma puissance se manifester dans ta famille, dans ta vie. Tu verras la rétribution des méchants, mais toi, béni. Oh, c'est la délivrance aujourd'hui. La maladie te quitte. La maladie te quitte. La mort te quitte. Au yes. nom de Jésus de Nazareth. Maintenant, even now, finis ton règne. It's finis. The end of your reign. Finis ton règne. Your reign is over. Dans la vie de ma soeur. In the life of my sister. Au nom de Yeshua. In the name of Jesus. Bah. Come out. Le Seigneur te guérit, te restaure. The Lord sets you free and restores you. Tout mari de nuit, toute sorcellerie, toute puissance de condamnation, every toute brisée au of night, a husband of the night, oh, incubus, leaves you in Jesus' name. Maintenant, come out in Jesus' Jésus. Name. Maintenant, come out. Quitte-la. Come quitte-la. Out of her. Quitte-la. Come out of her. Quitte-la, je dis. Come out of her. Quitte-la, nom de Jésus. Let go of her. Elle n'est plus ta femme. She's no longer your wife. Elle n'est plus ta femme. Tu m'entends? She's no longer your wife. Elle you hear me? Mais lâche-la. Lâche-la. Let go of her. Tu vas vouloir la tuer. You wanted to kill tu her. Pas la tuer. You will not c'est be able fini. To kill her. Your reign is over in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Une personne, une autre personne ici est combattue la nuit. There's another person who goes des esprits through de all nuit kinds of spiritual battles at night. Viennent te souiller. Their spirits coming to, de nuit, de to lay with you. Le Seigneur pose sa main sur toi. Le Seigneur te libère. Husbands of the night, the Lord sets you free. Le Seigneur te libère l'esclavage. That problem you've been au having. Au nom de Jésus he de Nazareth. He sets you free from that slavery in the name of Jesus. La main du Seigneur est sur toi. The hand of the Lord is all over you. Pour te soigner. To heal you. Pour to take care of you. To restore you. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus Christ. Père, merci. Thank you, Lord. Thank you, Father. Wow. Wow, Seigneur. Il y a un démon qui quitte une jeune femme. There's a demon coming out of a young lady. There's a demon coming out of a young lady. Ma soeur. My sister. Le Seigneur te guérit. The Lord is healing you. Le Seigneur te guérit. The Lord is healing you. Le Seigneur te guérit. The Lord is healing you. Ce serpent. This serpent. Ce serpent. Snake. Ce serpent. The snake.
Quitte ta famille. Is leaving your family. Quitte ta vie. Is leaving your life. Cette puissance de la mort s'en va. This power of death is coming out of you. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. In Jesus' name. Le Seigneur t'appelle. The Lord is calling you. À son service. To his service. Le Seigneur te rappelle. The Lord is reminding you. Il t'appelle à lui. He's calling you to him. Oh Seigneur, merci. Oh Lord, thank you. Tu es baptisé? Have you been baptized? Dieu t'appelle. God is calling you. Dieu t'aime. God loves you. Dieu voit ton cœur blessé. God sees your hurt heart. Dieu voit ta souffrance. God sees your suffering. Dieu voit tes larmes. God sees your tears. Et il veut changer ton histoire. He wants to change the history of your life. He wants to change your life. In Jesus' name. Seigneur, merci de la sauver. Lord, thank you for saving her. Oh Seigneur, merci. Oh Lord, thank you. Dieu est bon. God is good. Pleure des larmes et il te délivre aujourd'hui. Sors, acclame.
le Seigneur. Alléluia. Tout serait pas comme ça. C'est moi. Yeah.
Merci pour ta présence dans sa vie. Thank you for your presence in her life. Le Seigneur te dit c'est réglé. The Lord is telling you that it's done. It's done. It's taken care of. Hallelujah. Le Seigneur t'habille en robe de mariée. Le Seigneur guérit. Le Seigneur bénit. Le Seigneur restaure. The wedding dress. The Lord is healing and restoring. La mort s'enfant de ta vie. Death in Jesus' name. Toute cette parole de condamnation, de malédiction contre toi. All this word of condemnation. Le Seigneur brise, et brise. The Lord is breaking the power of that. Maintenant, even now. Que ces démons de mort, de souffrance qui amènent la confusion dans ta famille, dans ta vie, ça n'aille maintenant. Maintenant, quitte jeune fille. Quitte-la. Let go of tu es vaincu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur te dit qu'il est désormais ton Père. The Lord il est ton Père. You that he's your father. Tu n'es plus seul. From now on, he's your father. You're no longer alone. In the name of Jesus. Seigneur mon Dieu. Oh Dieu aime ce jeune homme. The Lord loves this young man. Tu sais que tu vas pouvoir enseigner la parole du Seigneur. Do you know that you will teach the word of the Lord? The Lord is calling you. Thank you, Lord, for my sister. Bénis-la, Seigneur mon Dieu. Bless your Lord, my God. Bénis mon frère. Bless my brother. À partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à prophétiser. From now on, you will prophesy. There's an anointing over him. Please help him. Dieu fait de toi une mère. The Lord is making a mother out of you. Tu vas nourrir beaucoup d'enfants. You will feed many children. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. In the name of Jesus Christ. Le Seigneur te guérit. The Lord is healing you. Il te guérit. Is healing you. Et l'onction de guérison maintenant sur toi. There's a healing of an maladie s'en va au nom de Jésus Nazareth. Maintenant. Over you. Maintenant. The sickness is leaving you in Jesus' name. There's something all over her. It's beautiful. Oh Seigneur, merci. Oh, thank you, Lord. Oh, sur toi là, tu as beaucoup chanté pour le Seigneur. Oui, attention sur elle. C'est magnifique, c'est magnifique ce que Dieu fait. Oui, belle onction sur elle. Waouh, elle va beaucoup chanter cette jeune fille là. Waouh, une belle présence de Dieu en ce lieu. Belle onction du Saint-Esprit en ce lieu. C'est magnifique, magnifique. C'est magnifique, mon frère. Le Seigneur te guérit. My brother, the Lord is healing you. Tu devrais mourir, Dieu n'a pas permis. Dieu t'a ramené de la confusion, du plan de l'ennemi. Le Seigneur dit, mon serviteur, il t'appelle son serviteur, tu vas prêcher l'évangile. En partant de ce lieu, tu vas commencer à avoir des songes, des visions pour annoncer l'évangile du Seigneur. Jesus, il y a une onction, l'enseignement qui est wow, c'est magnifique. Vous savez ce que Dieu fait aux États-Unis ici? Il établit ses serviteurs, ses servantes. Dieu me dit qu'il va vous envoyer pour prophétiser, annoncer l'évangile. Wow, wow, wow. La guérison, la restauration pour toi. Le Seigneur dit, il va te surprendre. Chassons la mort, la confusion au nom de Jésus. Confondre tout le diagnostic des médecins. Tu vas de nouveau lire la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Oh mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, c'est magnifique, c'est réglé pour vous là. It's wonderful. It's done for you. Oh, c'est bon. Je prie pour tout le monde pour le bâle. Le baptême, alléluia. Oh, suivez la soeur, une soeur là pour le baptême. Les gens pour qui j'ai prié. Please, those of you that have prayed for, follow that bon. Sister to get baptized. Cette douleur, au nom de Yeshua, c'est all the pain, the Lord loves you. C'est bon, c'est réglé. It's done. Ah. Alléluia, Seigneur, mes frères et sœurs. Le Seigneur brise la puissance de la sorcellerie contre toi. La puissance de la mort du vaudou contre toi. The power of voodoo. Au nom de Yeshua. Because he loves you in Jesus' name. Seigneur, bénis mon frère. Alléluia. Lord, bless my brother. Au nom de Yeshua. In the name of Jesus. Alléluia, c'est réglé. Non, je suis de Nazareth. Comment toi? T'as eu ton baptême déjà? Did you get baptized? Ah, de gloire à Dieu. Oh là là. Seigneur, merci pour ce jeune homme. Bénis-le, mon Dieu Père. Toi, tu vas pouvoir évangéliser. Thank you, Father, for this young man. Seigneur, t'appelles Timothée. Bless him. Double call you, Timothée. Alléluia, Seigneur, merci mon frère. Ne vous inquiétez pas pour lui. Thank you, Lord, for my brother. Don't you worry about him. You'll amen. See. Okay. You'll see for yourselves. Amen. Amen. Dis à ton voisin, le Seigneur au contrôle. Tell you,
veux quoi, jeune homme? What do you want, young man? Hein? Je sais pas. Tu ne sais pas? I don't know. You don't know. Why? You don't know. Tu aimes Jésus? Do you love Jesus? Tu veux le baptême? Oui. Tu as quel âge? Six. How old are you? Oh, I'm 16 years old. I want to be baptized. Tu veux le baptême? Jesus. Cours au baptême là-bas. Run to get baptized. C'est magnifique ça. That's wonderful. Wow. Wow. Oh, viens. Please come to me. Dieu veut la libérer, la soigner, la guérir. God wants to heal her. Au nom de Dieu. Je t'aime. Merci pour le miracle. Receive your healing. Oh, Jésus de Nazareth. Receive your healing. C'est fini. It's done. Maintenant. Even now. Maintenant. Even now. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Le Seigneur te libère. The Lord is setting you free. Il te guérit. Is healing you. Tu as assez pleuré. You have cried enough. Beaucoup pleuré. You have cried enough. Tu as beaucoup pleuré. You have cried enough. Tu ne vas plus pleurer pour ta famille. You will no longer cry for your family. Au nom de Yeshua. In the name of Jesus. Le Seigneur brise la puissance du vaudou contre ta famille. The Lord is breaking the power of voodoo over your family and over yourself. C'est réglé. It's done. Wow, Seigneur, merci. Oh, alléluia. C'est beau. It's beautiful what the Lord is doing in our midst. Ça va, mon frère? Are you okay, brother? Please come on, pray for you. Il y a un appel sur toi. There's a calling over your life. Dieu le dit. That's what the Lord is telling you. Tu vas beaucoup annoncer l'évangile. You will preach the gospel. Le Seigneur va te donner les moyens pour construire the un orphelinat. Will give you the means to build an orphanage. Pour aider les pauvres. To help the poor. Il y a une porte qui est ouverte devant toi que personne ne peut fermer. There's an open door before you that no one can close. In the name of Jesus, the Lord loves him very much. Ça va être un guerrier. This is going to be a warrior. Dans le royaume du Seigneur, en tant que Yeshua, il va voir le Seigneur béni de Dieu. Magnifique Seigneur.